Bon, merci. Nous passons à la question de Monsieur Didier Bécher, à madame la ministre du Travail. Vous avez la parole, Monsieur merci. le député. Merci, Président. Euh, au moment où le gouvernement intensifie le déploiement des plans d'investissement des compétences, je souhaitais attirer l'attention effectivement de la ministre du Travail sur l'enjeu de l'inclusion économique par l'emploi des jeunes issus des territoires les moins privilégiés. À mon sens, l'inclusion économique constitue un trait d'union entre l'action que mènent le gouvernement et la majorité présidentielle en faveur des entreprises et les Françaises et les Français. Il s'agit, comme l'a rappelé le Président, de garantir des droits réels sur l'ensemble du territoire de la République. Débordant le cadre de la politique de lutte contre les discriminations à l'embauche, prenant le relais des politiques d'insertion sociale, l'inclusion économique se veut davantage systémique en ce qu'elle intègre l'idée de la nécessité d'une fonction d'intermédiation entre les entreprises qui recrutent et les candidats prêts à l'emploi mais potentiellement discriminés. Une mesure aussi pertinente et incitative que sont les emplois francs ne peut être un succès que si on accompagne les entreprises, notamment les TPE et les PME, à identifier dans les territoires ciblés les talents qu'elles recherchent. Vous conviendrez qu'une entreprise ne recrute pas pour bénéficier d'une prime, mais pour répondre à un besoin aigu de compétences. C'est dans ce cadre que j'ai initié avec la fondation FAS et l'association Mosaïque RH le plan 1000 Jeunes, les entreprises s'engagent. Il s'agit d'identifier en Ile-de-France, avec le soutien du préfet de région, un dispositif multi d'intermédiation. Ce dispositif expérimental se déploie sur quatre bassins pilotes en Ile-de-France, Argenteuil, Plaine-Commune, Grigny et Saint-Quentin-en-Yvelines. Sa plus-value est de mettre l'entreprise au cœur du dispositif et de l'aider à recruter plus vite et mieux en lui ouvrant de nouveaux viviers de candidats et de la faire durablement évoluer dans ses pratiques de recrutement et de non-discrimination notamment, je pense, aux futures campagnes de testing que, que nous prévoyons de, de conduire. J'ajoute qu'une fois n'est pas coutume, les entreprises, au travers de leurs représentants, MEDEF, CPME, CCI, CJD, sont directement intégrées dans le pilotage territorial du dispositif, aux côtés des acteurs plus classiques de l'emploi, comme Pôle emploi, la mission locale, la PEC, la directe. Monsieur le ministre, au, au regard de ces considérations, ma question est la suivante. Quel dispositif en particulier à destination des TPE et des PME. Prévoyez vous de mettre en place pour que la lutte contre les discriminations à l'embauche soit une priorité économique tout autant que de responsabilité sociale des entreprises. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député pêcheur. J'aime votre expression trait d'union d'union qui montre effectivement que sur certains sujets, il faut savoir faire ce lien. Il ne faut pas chercher à décider en haut pour appliquer partout en France de façon uniforme des politiques dont on serait convaincu qu'elles seraient la bonne solution et qu'elles devraient s'appliquer de façon systématisée. Surtout, surtout sur un sujet comme celui de l'inclusion économique des personnes résidant dans des territoires les plus fragiles. Parce que nous savons que c'est un levier majeur de croissance autant que de cohésion sociale. Mais parce que nous savons aussi qu'il n'y a pas un territoire en difficulté qui serait reproductible en 300 exemplaires en France, mais qu'ils sont évidemment tous différents. Vous l'avez rappelé, cet enjeu est inscrit dans l'article 215 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité de la citoyenneté et la citoyenneté qui confie sa mise en œuvre à Pôle emploi et à la PEC sous le pilotage du représentant de l'État au niveau régional. Il faut. À partir de ce diagnostic territorial des besoins de main-d'œuvre sur les territoires, nous devons établir avec les acteurs locaux des plans de concertation qui permettent ensuite à Pôle emploi, à la PEC, de déployer sur l'ensemble du territoire une offre de services pour faciliter les recrutements des entreprises en s'appuyant notamment sur une approche spécifique par la compétence des demandeurs d'emploi et que celle-ci soit respectueuse de la diversité. C'est comme cela qu'on arrivera à répondre concrètement aux propositions, aux protèges qui sont nécessaires. En outre, ces deux opérateurs euh, ont conclu des partenariats avec certaines associations ayant des missions d'intermédiaire. Pour aider plus particulièrement les jeunes demandeurs d'emploi diplômés. Ces partenariats donnent des résultats. L'expérience est récente, mais elle commence à donner des résultats qui sont très positifs et leur formule doit être, à mon sens et au sens de la ministre, mobilisée. La mobilisation de ces, de ces associations renforce en effet la complémentarité d'action dans l'accompagnement des entreprises et la non-discrimination. Et l'exemple que vous avez évoqué, ce plan 1000 jeunes que vous avez initié et sur lequel, non pas vous interpeller le gouvernement, mais que vous mettez en avant, parce qu'il est toujours utile d'avoir de bonnes pratiques, montre bien cet enjeu-là. Euh, je crois qu'il est essentiel, je l'ai dit au début de mon propos, que nous ne cherchions pas un schéma unique d'intervention. Mais toujours construire en fonction des besoins des entreprises locales et des spécificités des territoires concernés et des publics sur ces territoires une réponse adaptée. Le représentant de l'État au niveau régional doit veiller au bon maillage territorial de cette offre de services et s'appuie pour cela sur les niveaux départementaux et infradépartementaux des services de l'État. Et je suis comme vous convaincu que les parlementaires, les députés ont aussi cette responsabilité-là pour initier, pour impulser, pour incarner, pour porter quelquefois même pour provoquer les services de l'État, quand ceux-ci se montreraient un peu trop timorés, et je sais que vous ne manquerez pas de le faire sur votre territoire et plus globalement, euh, en exemple aussi pour l'ensemble des parlementaires qui siègent à vos côtés. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Euh, merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie d'avoir souligné cette nécessité d'expérimenter au niveau des territoires, parce que, je, euh, après quelques mois de, de travail avec ces associations, je suis intimement convaincu que les solutions viennent bien. Euh, du travail de concertation entre les acteurs sous, sous l'égide du préfet également. J'attire quand même votre attention sur la nécessité de regarder les PME sous un angle spécifique parce que souvent elles ont des équipes qui sont petites et n'ont pas toujours les moyens d'aller chercher les explications sur la lutte contre les discriminations. Et l'expérimentation de terrain permet dans ce cas de les rapprocher de nos projets. Merci. Je vous remercie. Nous passons